C'est la caille haïti.com, mesdames et messieurs, et bon dimanche à tout le monde. Nous comptons avec vous aujourd'hui là, donc pour nous porter vidéo ça pour vous. Et n'a profiter de dire grand merci à tout le monde, amis, compatriotes, quel que soit à côté ou à suivre nous. Eh ben nous pas pas suspendre remercier vous parce que c'est grâce à vous même qui fait nous encore là et nous arriver dans niveau ça. Et nous, eh ben, avec tout que nous n'a dit vous merci et continuez à supporter nous. Et nous là pour nous kembe informer. On allez. Bon. Je dis à la, faut que nous doux dossier insécurité à la, mesdames et messieurs, c'est un dossier que Gary Koni lui-même précisément avec DGPNH là, Normil Rameau, eh ben, il mettait accent sous et dossier ça parce que c'est insécurité qui empêchait population haïtienne lui-même les vivre, c'est insécurité qui mettait nous dans sa nouille là, c'est insécurité à mesdames et messieurs. Et mais qui fait aujourd'hui en majorité haïtien pas envie rester Haïti et vous voulez à tout prix quitter pays pour aller réfugier l'autre côté. Et bien aujourd'hui là faut que nous douer force Kenya, la police, l'armée d'Haïti et vous même mettez tête ensemble là et ben vous commencez à bailler en pile problème dans camp bandio et aujourd'hui là dimanche là et ben dans coûte filet que la police à Kenya fait mais faut que nous gagne pour petit quatre nèg là qui eux même déjà à joindre baon. Et nous allons inviter à plus de détails là, parce que, et gagner DCPJ, mesdames et messieurs, qui fourrait bouche dans le dossier Claude Joseph ak PM Gary Koni. Nous connaissons bagay ça qui font pile parler dans divers journaux internationaux ou national, après des respectants et fréquencité même. Claude Joseph, qui comme ancien premier ministre PIA, monsieur fait avec actuel premier ministre PIA, Gary Koni, et bien dossier ça, c'est pas un dossier qui en pile mounoué avec, et donc et plaisanterie, parce que Claude Joseph, et monsieur Salambe, et Gary Koni, et même Edo Zeni, monsieur fait connaître, si c'est lui-même qui était en place Gary Koni, les constats, Claude, c'est dans la prison, monsieur t'a détiré, parce que même quelque dans la bouche Claude, il t'a raché parce que le chef rete chef et Claude pas rien dans le pays. Mais que Gary Koni, monsieur prend responsabilité li envers et Claude Joseph. Et bien dans la vidéo, ça nous allons inviter à plus de détails parce que le DCPJ a décidé là, faut Claude Joseph, et bien monsieur lui-même, et pas qu'à dormir. Bon, en tout cas, nous allons inviter à plus de détails tout dans la vidéo. Ça. Restez connecté, bon écoute, tout le monde n'a pas tourné. Non, mon cher, quand vous moun ki moun yon do respecte dignité et gen des secteurs qui nan nan pays an qui yo même en pile fois gen en pile fois moun sa ou gen de bagage y a chercher en termes d'intérêt moun sa ou toujours de bagage y a vérifier tout terrain pour nous capable manigancer intérêt yo yo pral pas yo pral baser sous question et moun sa yo que vinn dans la rue soit qui déchiqueté qui assassiné et que l'état a quand même cap identification c'est pas normal au 21e siècle pou vinn nan coin 10 15 moun a terre quand ça passé et au Kenya mais je plus passe en quarantaine moun assassiné au côté mais bagay la fait le tout du monde elle panique le gouvernement pas rien donc que ou va tomber m'pense. Et oui, nous capables, et nos dynamiques, nous avons des signes qui sont ensemble avec le groupe armé, qui ont assassiné. Il faut qu'au moins, il y ait des secteurs, des franges dans la police là, qui comprennent que, eh bien, là, il y a une bataille avec le groupe armé, ça qui tombe, il va quitter, virer, quitter la terre. Non, mais monsieur, en même temps, les gangs qui ont tombé là, il faut que les gens ne fassent pas de vidéo, ils disent c'est innocent tout là. Les bandits ça commence à tomber là, c'est pour quitter bandits tomber normal. Faut moun yo pas dans silence, dans tête langue a vinn dit c'est innocent. Ou comprend nèg gang ça yo, faut que tomber tout. Nous pas gros problème avec gang tomber, c'est pas quoi ça. Mais ça n'a pas parlé là. Qui te met les gangs là quel pays vont côté le font fusillade. 15 20 moun mouri, 100 moun mouri. Mais la police a lui-même les gérer pour que dans intervention li rassurer parce que moi même moi te vivre ça. Le ministère vient en Haïti,
malgré le reproche de la mort, mais les allons côté qui ont opération, ils ont toujours fait rassurer que après l'opération, ils ne battent pas quelque trace. Donc, mais comme pensé, ça, faut que la police a gagné au régime la donne, qui travaille sur lui pour qu'on ait, à partir du moment. Et Salomon, mais, nous bien préciser jusqu'à maintenant, il y a un pile coup de balle, hein, un pile coup de balle, un pile tiré, et dans plusieurs zones, dans plusieurs secteurs dans le pays, là, Salomon, faut nous prendre ça pour Mounio. Et question de sécurité, là, bandit cap tombé, nous t'es bien précisé, et dans la première édition, il y a au moins 4 jeunes garçons qui tombent là, blindés en tiré. Bon, pourquoi il y a là, monsieur, il y a bien précisé, c'est blindé en tiré. Mais est-ce que c'est blindé PNH là, ou blindé Kenya, nous ne connaissons pas. Et monsieur, mais bon, nous peut-être sommes capables de supposer CPNH, mais nous pas capables de dire non, nous pas capables de trouver vite. Et est-ce que nous avons une idée qui blende que tu as tiré 4 jeunes garçons? Nous avons une vidéo, nous avons entendu dire que nous pas capables de mettre l'image sur l'écran, nous comprenons le problème, mais il y a au moins 4 jeunes garçons qui tombent là en bas balle, blindés, et nous pas précisé si c'est CPNH, si c'est étranger. Et monsieur. Et Jimmy, effectivement, vous avez un pile tiré là, et c'est ça pour nous dans la zone Léogane. Vous ne connaissez pas. Et est-ce que ces bandits ont été envahis dans la zone Léogane? Vous avez appris nous avoir un pile tiré. Et deuxièmement, tout graissier tout, vous avez un pile tiré, graissier tout, et au niveau des graissiers. Mais maintenant, question que vous avez dit, vous avez dit, vous avez parti la police a fait, vous avez dit, pas fini trop d'accord. Vous avez dit, vous avez dit, non? Immédiatement, vous venez de là, il n'y a pas de louche, c'est à vous. Mais qu'on a, pour le monde, parce que ça va peut-être occuper le monde, et appuyer le monde, et dans le lieu public, après que le monde n'est pas de côté. Ça va exister. Bon, bon. Et Américains, police américaine, il va m'en y battre. Et militaire, il va m'en y battre. Nous ne pouvons pas une trace là. Mais pour des jeunes garçons, si on a un côté, quand vous voulez découvrir là, c'est ça ou ça image. Vous voyez, les droits de l'homme international vont réagir. Le voyez, le gouvernement, ça ouvre à y couper. Crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Ok, mais pas comprendre. Ça va me dire que nous avons tout le problème avec. On va dire non, c'est non. Même les États-Unis, on va faire tout ce qu'on a avec, même si on ne peut pas venir. Mais pour en connaître mon avis, ni pile mon avis, les sur tous les réseaux sociaux, le monde est regardé et on fait. Et vous êtes politique, ça veut dire information ça, et contrairement à Jimmy, au lieu de fuite, on a vu Louis Gérard Gilles. Et bien là, on a entré tout droit, on a vu samedi 20 juillet 2024, en plusieurs agents, selon information que je nous, agents de CPJ accompagnés au juge de paix, Yoronio Lacaille, conseiller président, on a parlé de conseiller présidentiel, on a parlé de Louis Gérard Gilles, pour obtenir une copie, un cliché vidéo de surveillance. Dans le salon, le côté qui a déroulé scène entre M. Gary Conny et ancien homologue Claude Joseph. Action publique, c'est si bien, comme je dis, mettez en mouvement contre le nommé Claude Joseph. Ici, il n'a pas parlé. La problème que non, Claude Joseph était déjà rendu pour assassinat président Jovenel Moïse. Là, on n'a pas le conseil présidentiel, là, de conseil avec Gary Conny. Il était entendu pour demander l'ONU pour adopter un tribunal international spécial pour juger présumé et criminel. Là, nous sommes dit Claude Joseph, encore une fois, non capable de retourner dans le collège de la justice après dossier assassinat. J'ai ordonnance qui était renan et verdict qui était renan, côté non Claude Dante cité en tant que mon nom qui est coupable selon ordonnance. Et bien, nous songeons tout question comme qui blanchit. Dans le dossier diplomatie, côté nous avons Claude Dante cité, nous avons fait de Miami et là, on a fait de 3 millions de dollars. On a non Claude a cité là, DCPJ, et bien, il a demandé Christ vidéo, côté Gary Conny avec Claude Joseph, il a discuté, et bien, c'est gagné un pile bien mot que tu as dit. Les deux côtés, un c'est ancien premier ministre, l'autre c'est actuel premier ministre. Ou à comprendre comment on est ici à bataille pour pouvoir, comment on est ici au parler des questions intérêts pays. Et je dis, en plus, on a posé cette question, qui ça a connu Vin Pella? Et en plus, on a posé cette question, tout, est-ce que Claude Joseph a tiré dossier la justice en cas de poursuivre pour arrêter là, dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse capable à imposer avec un premier ministre illégal aussi. Mais il y a un peu de monde qui ne veut pas dire ça, et professeur,
Mais Gary Conny, moi en plus là Gary Conny comme premier ministre, mais pas bien lorsque ou soit ou pas sorti ou pas et par le président qui nomme ou lorsque c'est pas parlement qui met au là les autres premiers ministres de facto pour pas dire même illégal, ça veut dire moi en plus mon il pas jamais les mettre avec premier ministre de facto Gary Conny immédiatement on est trouvé premier ministre. C'est pas un président qui était sorti dans l'élection, qui élu, qui était élu et dans l'élection, qui nommé, c'est pas parlement qui approuvé, et bien laisse ça ouvrir le premier ministre de facto. Et bien laisse ça tout, il y a des gens qui ont le premier ministre illégal, mais là, moi, en plus, le monde, par exemple, le président, mais Gary Conny, il est un premier ministre illégal, comme je viens de dire, à tout premier ministre, et bien Gary Conny, son premier ministre de facto, et bien Joda, qui a dirigé ce pays, faut nous bataille. Pour nous sortir de ça, dans la question de facto illégale des nègres qui ont un premier ministre sans que par le Parlement, sans que par le président élu en d'autres pays. Mais professeur, nous avons retourné avec l'actualité à ce qui est allé Gary Conny, Claude Joseph, Moïse Jean-Charles, pourquoi pas, Louis Gérard Gilles, monsieur Yo, vous avez goûté de CBJ. Vous avez goûté de côté et nous allons donner tout le détail avec professeur Seliska. Professeur, on va mettre le connant. Par rapport avec ce qui s'est passé, là, nous allons parler dans la boule et nous donner la pause. Mais tout d'abord, bon. Professeur, comment comprendre ça? Ou même comme jeune qui remet pays, comment comprendre ça pour que soit disant et